What's up la bonne famille, c'est Olivier. Et tu venais pas en Dibro. Et on se retrouve pour le 12e épisode de les photos de dossier. On regarde nos anciennes photos quoi. On regarde nos anciennes photos. Et c'est... bien sûr, on s'en est accompagné comme le premier épisode de Katia. Salut tout le monde. Ouais Katia, donc comme d'habitude, d'accord, tu y vas au niveau rire et moquerie, d'accord, tu y vas. Hein. Non, je vais être vraiment objective. C'est ce qu'on vient de dire, oui, voilà. c'est exactement ça. Comparé à l'épisode d'avant, je... Non, là, les gars, non. Il y a un truc, c'est chaud. Il y a une photo de moi, les gars, c'est chaud. Il y a plusieurs photos de moi, Steven, c'est chaud. Mais en fait, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai mal aperçu, peut-être que c'était toi, en fait. Oui, je crois que c'était moi. Non, c'était moi. C'était quel haut? Un haut sombre. Noir. C'est moi. Non, c'est moi. Non, jure? Non, c'est sûr. Non, jure. Oh non. Attends, bon famille, on avait fini sur cette photo, j'étais livreur. Encore en foulard différent, Steven. Encore. C'est de ma mère. Ah, celui-là, il va avec la veste et la casquette. Il y a un petit... J'avais du flou. Attends. Je sais pas laquelle est la vie. Non, en vrai, les gars, j'ai l'impression que j'étais tout le temps énervé ou blasé. Non, mais attends, non, mais déjà ça, voilà. On sent l'émotion que t'es content de manger. Oui. Mais là, on sent que c'est mal passé. Oh, oui. On sent que... J'ai une gueule de bois, frère. Alors, par contre, là, j'avais pas de contour. Ouais, les contours, c'était... Ah, c'était en compas. C'était approximatif, tu vois. C'était en mode, les cheveux allaient là où ils voulaient. Tu vois, c'est... Steven, avec ton petit pouce et ta... Hey, Giga, oh mon Dieu, ta petite montre, on dirait Digimon, frère. J'étais innocent. Je suis toujours, hein. Non, laisse-le. Tu suces toujours ton pouce ou... Mais non, quand même, tu t'amuses, frère. Il a été... Oh mon Dieu, ça fait bizarre. Mais c'est quoi ce t-shirt? On dirait c'est du triple XL. Ah, c'est le t-shirt qui te dérange en fait. Aïe. Pardon, j'ai dit que je restais objective. Au revoir Olivier, au revoir, il est parti. Mais non Olivier, reviens. Ah, on revient. Ah mais c'est cool. En fait, t'as même beaucoup porté les t-shirts larges. Merci maman de m'avoir à chaque fois acheté. Je faisais du S, elle m'a acheté du double XL. Là, sur cette photo-là, vous pouvez partir tous les deux. Attends. Vas-y, la bonne famille, on va refaire la photo. Attends. T'avais 18 ans? La bonne famille, c'était quand on habitait. C'était notre première année, il me semble, en France. Oui, c'est notre première année en France. Arrive en 2010. Ouais, on est arrivé, on était en Martinique. Donc là, on est venu, on était dans un petit appartement. On était quatre dans un 31 mètres carrés. C'était très petit. Et on fêtait mes 18 ans. Il avait 18 ans. 18 ans. Et oui, mon gâteau, c'était une tarte aux pommes. Parce que c'était mon kiff. Ouais, c'est mon kiff, c'est mon gâteau préféré. Mais non, mais avec le fraisier. C'est le fraisier aujourd'hui, mais tarte aux pommes, c'est toujours un classique. La grande famille, je suis entre gêne et émotion. Parce que c'est en mode émotion, parce que ça fait quand même 10 ans. Ah oui. Et gêne ultime. Déjà, j'ai fumé, frère. Ah, il était plus là, il était plus sur terre. Et moi, c'est quoi ce sourire, en fait, frère? Là, c'est de commencer à trouver son sourire commercial qu'il a aujourd'hui. Exemple. Exactement. Déjà, mon collier, on dirait qu'il était pas bien déjà. Il était par les pipettes, frère. Il était en PLS, frère. Parce que normalement, c'est un collier, tu sais, dans un collier, ça fait le tour de ton cou. Là, on sent qu'il se barre ici, là. Ouais, genre, il a du mal. Bon, on va avancer. Et plus on avance, plus on se rapproche d'aujourd'hui. Et puis, il y a des photos encore plus dossiers que ça. Vas-y. On dirait qu'il va sortir un album d'R&B, frère. Non. Petit Clover. Oh là là. Tu vois, quand tu regardes ça, tu dis vraiment que le cliché des Martiniquais qui font les lovers, il est vrai, en fait. Ouais. Non, il n'est pas encore 19 ans. J'allais avoir dans 3 mois après, quoi. 4 mois après. Mais mon Dieu, le défrisage, là. Il était mieux que celui d'avant. Là, il est bien. T'as pas un poil au menton, frère. Mais nulle part. Attends, mais le pire, c'est que je me rappelle très bien que tu voulais faire vraiment une photo stylée. Et tu t'es dit que t'avais fait une photo stylée sur mon lit.
Et en vrai, merci, merci. Oh, enfin, quelqu'un qui ne juge pas. Écoute, voilà, c'est bien, c'est marrant. On dirait que le drap, c'est l'océan. C'est... J'essaie de faire un truc. Ah, t'as raté, frère. Ouais. Alors, juste, c'est pas que je veux me dédouaner. Moi, ça va. Moi, on dirait, tu sais, les mecs tout mignons. Mais toi, Olive, oh mon dieu. Et puis, tu brilles. Mais de ouf. Oh, non, parce qu'il faut savoir qu'aussi, les flashs n'étaient pas adaptés avant pour les couleurs, les peaux de couleurs, tu vois, c'était... Et Steven, mon dieu, ton crâne, frère, c'est belle, c'est beau, c'est boche. En vrai, les gars, les contours sont beaux quand même. Parce qu'il faut noter quand même que les gars... Il faut, ouais, il faut le dire, notre mère... C'est notre coiffeuse. Notre mère nous coiffe depuis qu'on est petit. Tout petit. Et elle n'est pas une, c'est pas une coiffeuse. C'est pas une, du tout une coiffeuse. Une coiffeuse. À chaque fois, les gens me disent, mais c'est qui ton barbeur ou ton coiffeur? Je dis, mais non, c'est notre mère. Elle a appris tout ça. Elle a appris sur le tas. Voilà. Et vous voyez que déjà en 2006, les contours étaient on fleek. Maman, merci. T'es merci la best. Merci maman, t'es la meilleure. T'es la best. On dirait que je portais déjà les masques, tu sais, parce que ça décollait mes oreilles, là, tu vois, c'est... C'est la fin de la vidéo, la bonne famille, on va arrêter. Non, on arrive. Oh, je sais plus ce que c'était encore, ça. Ah, c'était une montre, c'était un chronomètre. Oui, c'est un chronomètre. C'était un chronomètre. Je le kiffais, ce chronomètre. C'était son premier placement de produit. Vous voulez une nouvelle montre ici? Ici présent, un chronomètre mousqueton, vous l'accrochez à votre ceinture. Et ça, c'est quand on habitait en Martinique. Oui, à Sainte-Marie. Non, on habitait en Martinique, ouais, à Sainte-Marie. À Sainte-Marie. C'était où exactement cet endroit-là? Ouais, c'était dans la salle. Mais tu rentres dans la salle et tu vas tout de suite à gauche. Il y a le bureau et le téléphone qui était là. Oh mon dieu, les téléphones portables! Oh là là, le moto là! Regarde! Et clapet! Ouais, les gars, à l'époque, c'était moi la mode. Oh, clapet! C'est moi. Non, franchement, beau gosse. Mais quel beau gosse, frère! Ah non, franchement, beau gosse. Mais il est où le beau gosse? Attends, c'était quoi en 2011? T'avais le petit prêt. Oui! Oh! Ouais, après là aujourd'hui, hein, ici, là. Bon, c'est... mais c'est pas la même chose, ça c'est le contour de notre couple, quoi, tu vois. Ouais, mais bon. Mais là, je vais vraiment faire un trait, genre un petit trait, tu vois. Est-ce que la virilité de Steven est au maximum? Parce que poser comme ça, ça c'est plutôt les miss qui font ça, tu vois, c'est pas. T'étais comme ça. Là, c'est Stéphanie qui pose, c'est pas Steven. C'est pas. Ah oui. Et le pire, c'est que ce t-shirt-là, je le kiffais. Eh, hey, Steven, il n'y a qu'une seule phrase qui vient dans ma tête. Hasta la vista, baby. Oh mon dieu, on dirait sans un égard, le mec. I'll be back. Oh, ouais. On continue. Allez. Hey, non. Oh mon dieu. Non. Oh mon dieu. Non. Arrête, Olivier, purée, arrête. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça, Olivier. T'as pas le droit. Il y a des gens sur Terre, tu peux les faire peur. Non, mais le pire, c'est que vu comment il tire ses lunettes, il pensait qu'il avait vraiment du flow. Non, mais c'est surtout le mec. Il a dit, mais il est malade ou quoi de poser comme ça devant un panneau? Mais de ouf. Je pose devant un panneau de Genève, le vrai touriste, tu vois. Ah ouais, j'avoue. C'est la première fois que je voyageais vraiment, quoi, en Europe, donc c'était un rêve. Allez-y, riez. Non. C'est plus la pitié, c'est pas la même chose. Ah, la pitié. Oh, c'est okay, ça. Je peux changer ou pas? Allez, avance. Les gars, apprends un truc. Pourquoi je suis tout le temps blasé? T'étais pas heureux ou quoi avec nous? Bah non. Mais je rigole quand même, t'es malade. Merci, hein, c'était la fin des parodies bro, la bonne famille. Avec plaisir, frère. On te rend pas heureux à ce que je vois. Hein. C'est bon, je rigole là. C'est vrai que je me rappelle que ce sweat là, je le kiffais, j'ai le saigné. Ouais, bah tu l'avais encore, hein. Mais t'es toujours en casquette ou en sweat? C'est abusé. À chaque fois qu'on est en vacances. Ouais, oh, c'est ça. Adidas, frère, j'ai investi. Et t'as vu, Adidas, il pose bien, hein, vous avez vu. Allez, là, c'est la dernière photo. On va voir si... La pire, si, en fait. La pire la photo, pire. On va voir, peut-être. Oh. C'est la pire. Non. Si, c'est non. La pire. Regarde. Parce que, Steven, déjà, tu fais la petite bouche de Stéphanie. Et déjà, pourquoi je porte un sweat? On peut mettre trois personnes dedans, frère. Non, mais en plus, surtout là, mon famille, mon style, c'est que je portais un sweat et dans ma main, c'était un sweat. Donc en gros, mon sweat faisait effet de veste. Donc en gros, je portais un sweat sans sweat. Le mec était au-dessus, quoi, tu vois. Ah, mais c'est ouf. En gros, t'as deux capuches. En ça, bah, je trouve ça mignon parce qu'on finit sur une photo de nous deux. Ouais. Qui est moins de la fatalité, tu vois. Oh, on a du vécu, hein. Ça a du vécu. Ouais. Allez, c'est bon. Ah, c'était, ouais. Allez. Les gars.
Choisissez, là c'est à droite ma photo dossier, je trouve la pire, la plus gênante. Et la gauche ma photo dossier. Donc mettez en commentaire soit un ou deux. Donc du coup, un Olivier, deux pour moi. Voilà. Et voilà, donc la grande famille, on peut chercher encore d'autres photos dossiers, on peut demander à notre famille de rechercher. C'est si ça. Vous voulez qu'on fasse un troisième épisode, en tout cas, on a pris énormément de plaisir. Merci Katou de nous avoir accompagnés durant cette dure épreuve. Hein. Merci pour tes rires, pour tes moqueries, pour tes blagues, pour... Hein? C'est la famille, donc je suis là pour aider. Oui, bien sûr, oui. Non mais on va régler ça en caméra. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne The Parody Bro Show et aussi à notre chaîne Les Parody Bro. Merci beaucoup, likez, commentez, partagez. Et sur ce les gars, ciao, ciao.